Alors, autre secteur d'activité récompensé ce soir, c'est Sacha. Sacha, vous êtes créateur, vous, d'un cidre, notamment tout à fait particulier. Expliquez-moi ça. Oui, bonsoir. Effectivement, je fabrique depuis quelques temps des cidres arrangés, entre guillemets, comme on peut le faire avec des rhums, pour apporter des saveurs qui soient différentes et surtout apporter des lettres de noblesse. Très clairement, c'est l'objectif du produit. Donc un produit qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui, le cidre, aussi bien en Bretagne qu'en Normandie, ou alors après plus loin, pourquoi pas dans d'autres pays hein, comme le Pays Basque. C'est un produit qui est véritablement rural et on ne le retrouverait jamais, jamais, jamais sur de belles tables. Aujourd'hui c'est chose faite. On a depuis quelques mois, vraiment enclenché une forte dynamique. Et on se donne aujourd'hui la possibilité de sortir de nouvelles cuvées. Donc une nouvelle cuvée depuis une semaine, une autre qui est prévue pour la fête de fin d'année. Donc voilà, le marché est un marché de niche très clairement, mais qui a la possibilité vraiment d'avoir un fort développement, aussi bien en Bretagne qu'à l'export. Et c'est ce qui est forcément... nous intéresse au premier plan. Et ça s'appelle Kistine. On vous souhaite évidemment une longue vie avec ce produit. Juste petite anecdote, Kistine, pour ceux qui ne savent pas, signifie châtaigne en breton. D'accord, ouais, voilà. Parce qu'il y a de la châtaigne, voilà, l'alliance des saveurs. Absolument. Grâce à vous, récompensée cette année.